Bonjour à tous. C'est vraiment l'été qui va s'installer sur le sud-ouest de la France pour ces prochains jours, avec une douceur vraiment qui s'accentue également sur les régions du nord. Alors on a toujours notre perturbation qui ondule d'ailleurs, mais qui remonte maintenant vers les régions du nord, poussée vraiment par l'anticyclone qui s'étend de nouveau sur les régions du sud. Et nous avons donc aujourd'hui encore ce dégradé nuageux qui persiste entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Alors il y aura davantage de pluie quand même sur la pointe du Finistère, la Bretagne de façon générale, ce flux de sud également qui résiste sur l'ensemble du pays et qui accentue donc les températures. Ce sera le cas encore aujourd'hui, on pourrait même battre des records localement, ce sera le cas dans le sud-ouest, on attend 28-29 degrés, on n'est pas à l'abri donc d'obtenir les 30-31 degrés en cette mi-octobre. Et ensuite, eh bien, nous avons un temps qui va un petit peu plus se dégrader pour la journée de demain, avec davantage de nuages, d'averses, de pluie sur un large quart nord-ouest de la France. Ça va résister encore dans le courant de l'après-midi. Les entrées maritimes vont persister également autour du golfe du Lion, mais partout ailleurs, ça restera lumineux, avec des températures qui sont toujours très douces. Dès le réveil, on attend 15-16 degrés. Et en fait, dans le courant de l'après-midi, ces températures vont un tout petit peu baisser, mais ça restera encore largement élevé pour la saison. Tout de suite, le journal. Bonjour à tous. La douceur s'installe. Le soleil également gagne du terrain aujourd'hui. C'est vraiment une journée printanière, voire estivale, si vous habitez le sud-ouest de la France. Regardez un petit peu déjà ce panorama en direction du Bas-Rhin, avec quelques averses de pluie qui ont ponctué un petit peu la journée hier, et donc un magnifique arc-en-ciel qui a été présent. Et une autre photo dans le département du Var, avec ce ciel parfaitement dégagé. C'est vraiment un temps particulièrement agréable qui est présent en ce moment. C'est remarquable, avec cette perturbation qui remonte plus au nord, chassé par l'anticyclone qui lui gagne vraiment en puissance, s'étend et nous apporte donc un temps beaucoup plus clément sur les trois quarts du pays aujourd'hui. Pour avoir quelques nuages et de la pluie, il faudra plutôt aller vers la Bretagne, les côtes de la Manche, les Hauts-de-France, également en Méditerranée autour du golfe du Lion, avec des entrées maritimes qui sont particulièrement importantes, mais partout ailleurs, sinon ça restera lumineux et surtout doux, voire chaud pour la saison, avec une vingtaine de degrés attendus sur le nord, 25 degrés sur les région centrale et jusqu'à 29 degrés, voire 30 localement sur le sud-ouest du pays. Alors pour la suite, on attend encore un ciel très lumineux sur l'est demain matin, mais ce dégradé nuageux va s'installer plus durablement sur un large quart nord-ouest du pays. C'est de l'instabilité qui commence à se mettre en place, avec localement quelques averses orageuses, même qui pourraient se dessiner vers la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime. Toujours également ces entrées maritimes vers le golfe du Lion et des températures qui, dans l'ensemble, restent très douces pour votre réveil, avec une quinzaine de degrés en moyenne, déjà 20 degrés pour la région toulousaine. Et ensuite, dans l'après-midi, les températures restent toujours largement au-dessus des normales de saison. Et ça va continuer comme ça tout au long de la semaine prochaine. La douceur véritablement s'installe. Ce sera le cas notamment pour les journées de mardi et de mercredi, avec un pic attendu même localement sur les régions du sud. Et ça va continuer jeudi et vendredi. Très bel après-midi à tous.